Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Alliance Magique euh, que j'ai reçu le mois passé et je n'avais pas encore eu le temps de vous le présenter. Donc voilà, il s'agit de L'Herbier de l'Alchimiste, un recueil de filtres, d'élixirs, d'huile, d'encens et concoctions pour vos rituels de Karen Harrison. Voilà, euh, déjà rien que la couverture, moi j'aime vraiment beaucoup, hein. euh, je la trouve magnifique. Voilà la tranche est comme ça et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Découvrez le grimoire du parfait alchimiste moderne. Guidé par Karen Harrison, inscrivez-vous dans la tradition alchimiste et apprenez à sélectionner les herbes en fonction de leur association astrologique en plus de leurs propriétés médicinales. Grâce à ce livre, vous saurez mélanger les encens, les huiles de cérémonie, les sels de bain, les amulettes, les condensateurs de fluides et les filtres. Vous apprendrez également comment les utiliser au cours de vos séances de méditation, vos rituels ou dans votre travail énergétique. En s'appuyant sur les arts anciens de l'alchimie et de la magie des plantes, l'auteur vous offre ici un ouvrage avec lequel vous évoluerez et développerez votre pratique personnelle. En quête de développement personnel, de raffinement de votre moi physique vers un potentiel spirituel supérieur au travers de la botanique, vous avez entre les mains le livre qu'il vous faut. Il est au prix de 23 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là pour donner un petit coup de pouce, et sinon, bien, il est disponible partout. Voilà, on va le découvrir ensemble. Alors, évidemment, il est tout en couleurs. Ici, on a la euh, page de garde très jolie, hein, toujours avec ses petites branches, ses pommes de pin. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. On a un sommaire avec un avant-propos, une préface, une introduction. Et puis, il est... il est conçu en plusieurs parties. Donc, la première partie, ce sera les plantes et leurs signatures planétaires. Donc, dans chaque chapitre, vous allez trouver euh, ici, par exemple, les plantes du soleil, les plantes de Mars, de Jupiter, etc. Voilà, donc là il y en a 10. Ensuite dans la deuxième partie, là ce sera la mise en pratique avec créer, composer et mélanger des formules alchimiques végétales. On va parler des encens magiques, des huiles de rituel, des sels de bain des herbes des bains purifiants etc. En troisième partie, combiner les influences planétaires et les élémentaires. Voilà. En quatrième, là, ce sont toutes les annexes, euh, annexes les plantes pour la magie, les formules et les recettes, le matériel nécessaire, etc. Ensuite, on a un index des lectures recommandées et un petit à propos de l'auteur. Voilà. Donc, on a un avant-propos. Regardez comme c'est joli. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, euh, c'est un petit euh une petite explication, hein, je ne vais pas tout vous lire. Une préface, voilà. Euh, ensuite, l'introduction. Donc ici, il dit hein, que l'utilisation de plantes pour la magie et la, la médecine fascine l'homme depuis des millénaires et, juste, et à juste titre, etc. Voilà, donc je vais juste vous dire... Euh, ce que j'avais vu, c'était ici, non, c'était plus loin que je voulais quand même vous dire. Bon, ici, il y a vraiment beaucoup euh, l'histoire des plantes, etc. Donc voilà, ici, l'objectif de ce livre est de vous apporter la connaissance et les outils nécessaires à votre évolution personnelle par l'utilisation de matériel et d'ingrédients déjà existants. Chaque chapitre consacré aux énergies planétaires et végétales est complété par des rituels concrets, de la méditation et des exercices à réaliser soulignant, soulignant les effets magiques des plantes qui améliorent votre vie dans tout ce qu'elle a de plus complexe. Chaque exercice a déjà fait ses preuves dans une situation concrète. Parmi ces rituels et ces techniques de méditation, vous trouverez des astuces magiques et pragmatiques, aussi bien pour résoudre vos soucis du monde physique que pour mieux comprendre et adapter vos objectifs spirituels. Alors. Avant toute chose, l'herbier de l'alchimie c'est un livre concret. Il vous apprendra à mieux comprendre les enjeux énergétiques et magiques de chaque herbe et à l'utiliser seul ou mélanger à d'autres. La plupart des exercices de magie des plantes associent les énergies planétaires à celles des plantes. Dans la première partie du livre, nous explorerons chaque planète et découvrirons des techniques pour utiliser son énergie et les plantes qui lui sont associées. Chaque chapitre vous proposera un exemple de mise en pratique et de ces énergies planétaires sous forme de rituels, d'exercices énergétiques ou de méditation. Dans la deuxième partie, vous verrez comment composer vos mélanges et formules de la façon qui vous paraît la plus efficace, en encens, en condensateur fluidique ou en huile essentielle. La troisième partie vous accompagnera dans la création de formules personnalisées basées sur la numérologie et l'astrologie. Vous trouverez également dans ces ouvrage des annexes lisant, listant pardon, les plantes, les énergies planétaires et exemples de formules selon leur affinité naturelle. Voilà donc. Il y a aussi la confection d'encens, d'huile cérémoniale, de sel de bain, d'amulettes végétales, de condensateurs fluidiques et de filtres à base de plantes, ainsi qu'une multitude de recettes est à votre portée. J'espère que vous apprécierez les recettes proposées, mais mon but est avant tout de vous montrer comment créer vos propres combinaisons alchimiques par l'utilisation de substances naturelles que vous puissiez vous approprier ce livre. Voilà Regardez comme c'est joli la mise en page. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Euh, du coup, la première partie, les plantes et leur signature planétaire. Donc, on commence avec le premier chapitre, avec les plantes du Soleil. Donc là, on va vous dire que ce sera pour travailler sur le pouvoir personnel, la santé, la réussite. On va parler des énergies. Donc, ici sera pour la confiance en soi, réussite, la vitalité, courage, célébrité, etc. Les couleurs, doré, orange, le chiffre 1, le métal, c'est l'or, puis les pierres et les matériaux associés, le diamant, la citrine, le jaspe jaune, le topaz, les divinités, rat, apollon, hélios, luc, isis, diane, brigitte, et les plantes, euh, l'angélique, le calendula, la camomille, la cartame, le frêne, le milleportuit, le tournesol, etc. Voilà, comme ça là, vous avez vraiment les associations. Puis ici, on va vous expliquer hein, euh, les petits mots par rapport à ces plantes. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être très très long. Alors, on ici vous propose un filtre de santé, voilà, avec la marche à suivre. Voilà. Donc ça, c'est la petite recette. Hein. Par exemple, ici, on a les plantes de la Lune. Pareil, on a tout le texte qui explique. Et alors, on aura ici un encens lunaire et méditation pour le travail du rêve, par exemple. Donc là, on a douze euh, chapitres hein, pour les douze pour les planètes. On termine avec Pluton. Voilà. Et puis, on passe à la deuxième partie ici, avec la mise en pratique, cette fois-ci, créer, composer et mélanger des formules alchimiques végétales. Donc le premier chapitre, ce sera sur les encens. Il va nous expliquer un petit mot, évidemment, sur les encens. Voilà, euh, il, il explique ici le matériel, par exemple, qu'on aura besoin. Voilà, en chapitre 2, ce sera les huiles de rituel. Pareil, hein, il vous explique la marche à suivre, comment les stocker, dans quoi les mettre, etc. En chapitre 13, tout ce qui est sel de bain et herbes de bain purifiantes. Voilà Voilà, ici on a des recettes aussi, hein. par exemple pour faire un bain de Vénus pour cette planète, les plantes proposées, les huiles proposées. Voilà, et bon, ici il y a plusieurs planètes. En chapitre 14, tout ce qui est amulette végétale et pot pourri magique. Pareil, il vous explique. Voilà. Combinaison avec des pierres, les couleurs de votre, pour votre amulette végétale, parce que bien évidemment, les couleurs ont de l'importance hein, en fonction de ce que vous voulez attirer. En ce que vous voulez créer. En chapitre 5, les filtres, élixirs et condensateurs. fluidique euh, ici, il va parler des filtres à base de plantes, des élixirs à base de plantes, condensateurs à base de plantes, les suggestions de pierres et de minéraux. Voilà, en fonction des planètes, j'adore les illustrations. Et la troisième partie, euh, là, ce sera combiner les influences planétaires et élémentaires pour essayer euh, de créer vous-même vos formules. Voilà. Donc ici, on a les formules personnalisées pour équilibrer, transformer, charger et manifester. Voilà, en fonction des planètes toujours. Voilà, c'est très très bien expliqué, je trouve. Bon, je passe un petit peu vite comme c'est beaucoup de texte, hein, mais je voulais quand même vous montrer, euh, vous faire une vidéo parce que je le trouve hyper intéressant et vous montrer un petit peu euh, les différents chapitres. Donc, créer des formules personnalisées en utilisant la numérologie. Voilà, donc ici, la numérologie avec les planètes qui correspondent. Voilà, pour dé déterminer le nombre associé à chaque lettre, etc. En chapitre 18, créer des formules personnalisées en utilisant l'astrologie, les thèmes astro. Voilà, pareil, hein, c'est très très bien expliqué. Ici, euh, par exemple, ici à présent, les herbes-huiles associées aux signes astrologiques. Approfondir l'expérience de l'alchimie des plantes grâce aux thèmes astral. Voilà, ici, nous parle des maisons astrologiques, par exemple de son thème, du faire son thème astral aussi, c'est très beau ça et la quatrième partie avec les fameuses annexes, avec les listes de plantes, donc ici la première les plantes pour la magie, voilà et ici il reprend bah, du coup par ordre alphabétique les plantes, hein, voilà euh, comme par exemple qu'est-ce qu'on pourrait prendre ça, ce sont des que je ne connais pas trop. L'ail, par exemple. On a le nom scientifique, son autre nom, son élément, la planète, la partie qu'on utilise et dans quoi elle peut être utilisée. Voilà. Donc ça, ce sont pour les plantes. Hein. Et il y en a une bonne, une bonne liste quand même. Vous voyez, je vous le fais passer vite pour vous montrer. Voilà. Ensuite, en annexe B, les énergies planétaires et les affinités des plantes. Voilà. Pareil, on a, vous avez toutes des listes. C'est toujours chouette d'avoir. Hein. Des correspondances ici les phases lunaires et les jours planétaires voilà pareil hein. voilà oh trop beau j'aime bien annexe D les éléments et les herbes qui leur sont associés bah, les éléments hein, air terre feu eau et euh, l'éther peut-être aussi est-ce qu'il a mis l'éther est-ce qu'elle a mis plutôt je sais pas pourquoi je dis il quand c'est une dame qui l'a fait mais c'est pas grave j'ai un, un petit bug là alors, les formules et les recettes. Ici, euh, les formules planétaires. Voilà. Des, des idées. Hop. Ici, on a le tableau des correspondances. Euh, avec ici pour les planètes. Hein. Les, les planètes avec qu'est-ce qu'on peut euh, ben, faire comme rituel associé. Hein. Euh, les jours de la semaine associés aux planètes également. Voilà. Euh, ici, un mot sur les phases de la Lune aussi. Le tableau des correspondances planétaires. Voilà. Ici, on a vraiment. Euh un récapitulatif. Hein, par exemple, si on veut travailler avec la lune, on aura le nombre, la couleur, la plante, le matériau, la pierre et le parfum, tout ce qu'on pourrait associer, le matériel nécessaire. Donc là, ben, vous l'aurez compris, hein, c'est une explication sur tout ce qu'il vous faudra. Hein, de, des flacons, des contes-gouttes, un pilon, un mortier, dans les herbes, voilà, les huiles essentielles à, à avoir, le matériel de magie, euh, concentration, intention, et voilà. Et on termine avec un index. Voilà. Franchement, il est super chouette. Euh, si euh, tout ce qui est alchim alchimiste, herbie, alchimiste, travailler avec les plantes, euh, si vous aimez aussi le côté magie, euh, faire des rituels et tout ça vous intéresse, je pense qu'il pourrait fortement euh, vous intéresser parce qu'il est très très bien conçu. Euh, je trouve, voilà. Bon, évidemment, ceux qui, vont, qui ne pratiquent pas spécialement la, ma la magie, les rituels, ça ne vous intéressera peut-être pas. Et quoique, euh, qui sait pourquoi pas. Voilà, moi je le trouve très, très, très chouette. Et je le répète, mais j'adore la couverture. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous avez craqué pour ce livre, hein, comme il est sorti... Euh en octobre, il me semble. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous